We have arrived at Ficina. This is where we lost track of Pigma. Ficina, huh? Just great. There's nothing here but snow and ice. Uh-huh. But after they built the climate control center, the planet became inhabitable. This is a crisis, team. From the look of things, the climate control generators, well, looks like it's been out of order for quite a while. If this blizzard keeps up, the planet will once again become barren. I wonder if this is Pigma's work. Could he be laying a trap? Oh, we can't fly our R-wings in this weather. We have no choice. I'll go down and get the generator back up. If I can just get to the climate control center, we'll be okay. Playing the hero again, huh, Foxy? Hey, more power to you, buddy. Me? I hate the cold. It makes me hibernate! It's up to you, Fox. I'll make sure the others are ready to launch their R-wings at any time. Salut les jeunes, c'est la foire ici. On se retrouve donc pour la troisième partie. Ouais, c'est ça, la troisième partie du spoil. Que dis-je, du Waifu de Star Fox Assault, donc, sur Nintendo GameCube. Donc voilà, on est reparti. Hein, là, on est à mission 4 hein, sur Ficina. Oui, alors je joue à cette sympathique cinématique. Ouais, sympa parce que par les graphismes et tout, tout ce qu'il voit et tout, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous laisse regarder. Yeah, I guess you're right. No time for subtlety. I'm gonna have to blow up the generators. Don't go overboard, Fox. It's under control. Then get going and do it. We're just spinning our wheels here. Careful what you wish for, Falco. Donc on est reparti. Encore une fois, une mission avec le Landmaster. Le but est très simple, il faut détruire trois générateurs, donc, comme vous l'avez récemment compris, afin d'accéder au centre principal pour désactiver cette tempête de neige. Donc, enfin, désactiver. Pour activer une protection qui permettra de ne pas avoir cette tempête de neige. Donc très simple, hein. Aucun obstacle énorme, ça c'est rapide. Donc voilà, je vais en profiter pour vous expliquer un peu comment marche le Master, hein. Parce que je vois pas de quoi je pourrais vous parler d'autre. Après je suis désolé mais je ne vois pas. Donc c'est très simple, on avance avec le stick, le bouton X sert à accélérer, le bouton Y sert à planer dans les airs, et L pour faire des roulades, des tonneaux, comme là quoi. Très utile donc pour les déplacements. Donc ce qui est cool c'est qu'on peut sortir encore une fois du Landmaster ou pas, ce qui est encore une liberté dans le jeu quand même. On est loin des jeux scriptés comme on est aujourd'hui. Hein. Je fais référence à Call of Duty par exemple. Enfin c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Donc ouais, ça c'est cool qu'ils aient laissé cette liberté donc de sortir du véhicule ou pas. Même si c'est plus rassurant dans cette mission d'y rester. Donc il reste un générateur. Hein. Vous allez voir que le boss de ce niveau est assez chiant d'ailleurs. Si vous y avez déjà vu, je sais pas si vous en rappelez, mais c'est casse-couille. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, les générateurs sont détruits. Je sais pas si c'est une cinématique là, non, apparemment non. Donc je dois aller au centre principal, qui est tout droit. Alors bien sûr, c'est putain d'ennemi là. Bon, impossible de prendre de rentrer avec le Master.
comme nous l'indique Rob. Donc voilà, cinématique. This should be it. Woohoo! That's the end of the blizzard! You did it, Fox! Fox? What's wrong, Fox? Come in! Quit yelling, Falco. I'm fine. Just a little hitch in the plan. There must have been an ID problem. The sentry bots have taken a liking to me. Donc voilà, ennemi assez chiant. Hein. Chiant parce que on peut détruire ces robots que quand eux nous attaquent en fait. Vous allez voir ça dans un instant. Donc il y a un truc que j'adore aussi, c'est que dans la cinématique ils sont moins de dizaines. Et là ils sont plus 4. Oui. Encore la logique des jeux vidéo. Enfin, on leur en veut pas aux développeurs. Donc voilà. Faut attendre qu'ils attaquent pour les ouvrir, sinon ils se protègent. Enfin, sinon on peut pas les détruire, quoi. Ils ont un bouclier. Et ça, la première fois que j'ai joué, j'avais pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai détesté cette mission, quoi. Déjà parce qu'on est dans une atmosphère nocturne. De base, ça j'aime pas trop. Et en plus, il y a une tempête de neige. Total, quoi. Mais bon, au final, avec du recul, c'est vrai que c'est pas une mission. Si affreuse que ça. Mais à part ça, c'est très simple. C'est juste qu'ils sont un peu casse-couilles sur les bords, quoi. Where are you, Falco? Falco, il traîne. Alors Gatling va être assez utile, parce qu'il va y avoir un paquet de robots cette fois, comme vous pouvez le voir. Donc là encore une fois le même principe, il faut attendre qu'ils attaquent pour les détruire, hein, je tire pas au hasard. Enfin un peu aussi mais bon. Donc voilà, cinématique épique. Forcément. Wow, that was a flashy entrance. Quit complaining and climb aboard, will ya? Alright. D'ailleurs, faut bien expliquer comment Fox arrive à s'accrocher sur l'aile. À moins d'avoir des chaussures magnétiques. Hey, Sure Shot, get out your blaster and take care of our admirers. Il est fort, Fox, quand même. Donc là, je vais essayer de tenter pour vous les 100 combos là d'affilée. Donc vous voyez en haut à droite, vous avez 11 combos là. Bah, j'essaie d'atteindre 100 combos donc. C'est une des missions sur laquelle on a le plus de chances de réussir à faire ça. C'est pas si difficile que ça, mais ça démontre une certaine... allez, on va dire concentration pour atteindre ce... pour atteindre son combo. Alors l'utilité d'atteindre son combo ou plus, elle est pas énorme, c'est juste quand on amasse pas mal de points en fin de mission. Donc grosso modo en fait faut tout ce qui est en orange sur radar, faut le détruire en priorité. Parce que c'est des saloperies qui vous arrivent sur la gueule ça. C'est des sortes de dessert on va dire. Sinon à part ça c'est très simple, hein. On cède du radar en bleu les ennemis donc qui aérien on va dire et orange les sentinelles, enfin c'est pas des... j'appelle ça des sentinelles mais c'est plus des sortes de dessins comme je le disais. Là on sauve encore une fois Sylvie, toujours dans la merde cette première. This is no joke, Slippy. Thanks, Fox. Donc là, tranquille, hein.
on arrive à 70 combos. Dang, someone on the ground's got a beat on me. Donc là, grosso modo, on arrive bientôt à 50% du jeu. Hein. Je dirais encore... Allez, on est à... Ouais, bah 40... Plus de 40% du jeu. Là. Donc ça va très vite. Comme je disais au départ, ça va être dans la première partie du spoil. J'arrive pas à dire spoil puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Du waifu de Star Fox Assault. Oui, je disais donc que c'est un jeu qui se finit encore une fois rapidement. Voilà, je pense qu'ils ont voulu... Quoique non, c'est un peu déconné ce que je veux dire parce que c'est pas tellement véridique. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il s'est fait que diminution de solo. Donc heureusement, la durée de vie est rallongée par le multijoueur jusqu'à 4. Ce qui est vraiment intéressant. Mais bon, après voilà. C'est un peu dommage. Sinon, je vais aussi vous parler. Bon, attends, je vais vous dire ça après la cinématique. Fox, those bots seem suspicious, so I checked them out, and they were Aperoids. Are you sure? Yeah, Aperoids must be able to take over other machines. Are you serious? That is true! And the one who's pulling the strings is me, Pigma! Pigma! Welcome to that, big fella! What the? That's part of the engineering, isn't it? Donc le boss... Donc, comme je disais tout à l'heure, il est assez casse-couille. Parce qu'en fait, on peut le toucher que d'une certaine position par rapport à lui. Voilà, on prend notre bon vieux Arwing. Donc oui, pour revenir à ce que je disais avant la cinématique, donc je suis assez content parce que je me suis remis récemment à Kingdom Hearts. C'est une série que j'adore énormément. Et j'ai acheté Kingdom Hearts Recoded sur Nintendo DS. Et je dois avouer qu'il est... C'est la première fois que je joue à Kingdom Hearts sur DS. Hein. Je dois avouer que c'est pour la DS, je trouve que c'est vraiment la gueule. Graphiquement, bon, c'est la DS, hein. Mais on se retrouve dans ce que fait un bon Kingdom Hearts, ça que j'ai beaucoup apprécié le 2 sur PS2. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose qui change à part le fait qu'on soit tout seul. On a pu nos compagnons pour faire des fusions qui étaient une option intéressante dans le 2. Après voilà, c'est pas trop grave ça, mais voilà. Là je dois être à 4-5 heures de jeu. Sachant que j'ai acheté 3 jours, voilà, je suis addict. Vraiment pas mal. Après, bon, c'est pas du grand Kingdom Hearts comme on connaît, hein. Mais ça me rend optimiste, on va dire, pour l'opus 3DS qui va arriver en 2012. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de me trouver 358 days parce que c'est une période de l'histoire de la série qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est la période où Roxas est dans l'organisation 13. Et c'est vrai que pour moi, vu que j'ai pas encore fait le jeu, c'est une période assez floue. Et j'aimerais bien voir ce qui se passe exactement. Parce qu'il y a aussi une histoire de 14e membre de l'organisation. J'ai bien envie de faire ça. Alors, petit lag là, excusez-moi. C'est mon diesel qui... Enfin, c'est même pas mon diesel, c'est mon ordi qui a passé par tes... Enfin, qui a lagué, quoi. Je sais pas.
Donc voilà. Et sinon, je suis assez content aussi parce que j'ai trouvé Kingdom Hearts Final Mix pour 20€. Alors, Final Mix, c'est sorti uniquement au Japon, hein, si je dis pas trop mal, peut-être en Amérique, seulement au Japon. Je confonds avec Ocean of Memories. Bref, on s'en branle. Voilà. Je suis assez content, donc j'espère que vous recevrez très bientôt. Il va falloir que je m'achète une PS2 pour la craquer en. Pour la désonner. Enfin, pour la craquer, ça se craque pas. Pour la désonner en. Pour lire donc des jeux Jap. Et ça va vraiment être pas mal. Donc voilà, on parle, mais j'ai fini de détruire le boss. Donc, franchement, ça va être le boss le plus chiant du jeu. Quoi. Après, c'est tout. Sans plus. Peut-être le boss de fin, ouais, les boss. Des commentaires philosophiques. Regardez-le, nostalgique, derrière la lune couchante. Donc la petite scène où on voit Pygma qui devient contrôlé par petit à petit par les Aporides. Donc voilà, on a terminé la mission 4. Bon allez, 14-13 minutes, attends c'est marqué, ça doit être marqué, non même pas, non. Si, 12 minutes 4, bon c'est pas mal hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite, ciao les players.